Même le lion reconnaît que l'éléphant est le plus fort. Oh, quittez-la, hein, passeur. Nyapuri, Togo, Sévelin. Voilà l'impérial Etienne. Voix de pousser les éléphants à la victoire, c'est ça? Oh, oui, oui, effectivement. On fait du bruit pour eux encore. Okay, votre style, okay. Cette chanson-là, c'est parce que c'est typiquement pour les éléphants, mais ça, c'est votre style musical un peu tradit moderne, un peu à cheval entre le zouglou et la modernité et tout. On fait du zouglou. Oui. Les zouglou mix. Le zouglou mix. Voilà. Ok, d'accord. Il y a un peu de tout dedans. Donc, d'accord. On fait du bruit encore pour eux. Un contact, un numéro de téléphone pour ceux qui pourraient vous joindre pour une fête, pour un show d'un village Cannes quelque part. Le 2x07. 07 07. 79 79. 30 30 37 37. On reprend. 2x07. 07 07. 79 79. 30 30 37. 30 37. Ok, on fait du bruit pour Impérial. Vas-y, tu avais quelque chose à rajouter? Oui, c'était pour
souligner que c'est le livre vocal, il s'appelle Impérial. Moi, d'accord. C'est Gimbi. Ok, d'accord. Voilà. Félicitations. Merci beaucoup, les gars. Merci à vous. Merci à vous. Ok, les gars, on va se lancer comme toujours. Lewis, lumière, s'il te plaît. Ok. Mesdames et messieurs, aujourd'hui est un grand jour pour notre pays et pour notre équipe nationale. On va faire le show, on va pousser la voix avec de grands artistes de renom qui ont chanté pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Mais en attendant, recevez ici et maintenant celui que toute la Côte d'Ivoire attend, le seul, l'unique, l'inimitable, Willy. On fait du bruit pour Willy Dembo. Ouais, je salue la supporter gospel. Fais du bruit, pour, s'il vous plaît. Ouais. Génio, Boris, quand tu viens là, hein? Faut bien marcher sur le tapis là. On n'a pas de monde, c'est le seul qu'on a. La Coupe d'Afrique, c'est encore long. Et puis, s'il vous plaît, nettoyez vos chaussures quand vous venez. Ça racine du bien, c'est quoi? Et on sait même pas. Eh, t'as pris la souffle d'air. Oh, vraiment. Est-ce que t'as pris la base à sortir même? Les gars, je suis waro. Mais allons vite. Allons vite, allons. Qui m'a envoyé des danseurs? Tout ça, c'est éléphant. Il faut me changer ce téléphone là. Change-moi ce téléphone. Change-moi ce téléphone. Change-moi ce téléphone. Tout ça, c'est pour gagner du temps pour respirer. Lundi 22 janvier 2024, la Côte d'Ivoire retient son souffle jusqu'à l'explosion donc, de joie après le coup de sifflet final de l'arbitre. Avant cette rencontre cruciale face au Nzalang national de Guinée équatoriale, nous allons donner le maximum de force à nos pachydermes, à nos éléphants, avec des artistes de grand talent. Donc pour les pousser jusqu'à la victoire, Mister Kabato, Abel le Superman, sera là. Il sera là tout à l'heure. Il a même fait une chanson en feat avec donc Woyi. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas trouvé Woyi en train de faire la une des journaux. Mais Woyi va venir ici en tant que chanteur avec Monsieur Kabato. Abel le Superman, c'est pour tout à l'heure. On applaudit ça, s'il vous plaît. Le collectif Cannes 2023 avec M. François Kensi, Mako Le King, Julie N, Killer et Ryan Clay. Le collectif sera là également de la partie. La grande Antoinette Alani et maman Tina viendront ici soutenir aussi nos pachydermes. Voilà. Elles vont me rejoindre dans quelques instants ici seulement sur ce plateau-là, dans quelques petites minutes seulement. En attendant, on aura du beau monde en tout cas, en attendant donc de se mettre dans l'ambiance pour notre très chère équipe nationale. Laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose d'immaturité. On m'appelle Willy Dembo, a.k.a. Ne pas réussir. Et sur Live TV, la TNT, midi, c'est l'heure des éléphants, les esprits. Bienvenue. Bienvenue. Merci infiniment d'être avec nous. Quel plaisir de vous retrouver sur Live TV, ici sur Bouquet Canal, ici de la TNT. Il y a du beau monde aujourd'hui. On fait du bruit pour les éléphants, s'il vous plaît. Merci. Yep. Plaisir de vous retrouver. Allez la famille, on va aller tout de suite avec notre vidéo du jour, comme je le disais tantôt. Aujourd'hui, il n'y aura pas de Woyi en tant que journaliste, mais plutôt un Woyi artiste-chanteur. La vidéo du jour, ben, c'est ce qui arrive maintenant. Vous savez, chez nous ici, le football est dans notre sang. Même la maman a fini avec ça. Regardez. Au mao. Elle est au mao. Où bien? Tu connais? Oh, ça ne peut pas finir.
Otuma na mulekela. Eh. Otuma mulekela. Non, la mère, la vieille m'a tué. Elle a tué. Ouais, la vieille, mais tu as ta place même dans l'équipe nationale féminine de football. Voilà, elle peut jouer même, hein, garçon. Non, applaudissez encore pour la maman, s'il vous plaît. Allez, la famille, on poursuit maintenant avec la pépite. Go. Pépite 1, rira bien qui rira le dernier. Voilà ça. Il dit je t'aime. Hein? Elle dit quoi? Elle rit. Il dit tu me manques beaucoup. Elle rit encore plus fort. Il dit je peux sacrifier ma vie pour toi. Elle rit seulement. Il dit je ne peux pas vivre sans toi. Elle rit encore. Il dit je vais t'envoyer 50 000. Elle dit c'est quand tu as envoyé l'argent là. Maintenant lui il rit maintenant. Ah, vraiment les gars là. Non, c'est pas possible quoi. C'est pas croyable quoi. Non, mais je peux pas. Non, je peux pas concevoir ça. Pépite 2, voilà ça. Bébé, pardon, faut m'envoyer quelque chose, je vais manger avec. Bébé a dit quoi? Il lui a envoyé une photo de cuillère. Il a écrit en bas, c'est pour maman, pardon. Si tu finis, faut l'amener. Elle parle plus. Voilà cuillère, il faut prendre ça pour moi. Ou bien? Tu es déçu. Ah, en tout cas, faut être déçu, je serai déçu tous les jours. Pépite 3, français souffre. Et si on perd le lundi? Et si on perd là, il a écrit ça comment? Père là, il a écrit ça P, E accent grave, R-E. C'est-à-dire hein? Comme on écrit papa. Tu dis quoi? Il t'a dit. Il lui a répondu. On dit mais on meurt en même temps. En tout cas, parce que franchement, si on perd en même temps, on meurt en même temps. Voilà. N'allez pas à l'école et restez là seulement pour faire payer. Il t'a dit. Pépite 4, c'est toi qui souffres. Il dit une nouvelle départ. Hey, on dit, mais toi là, tu penses que tu fais du mal à qui même? C'est pas possible, nouvelle départ. Nouvelle départ, tu es arrivé où? Chaque année, nouvelle départ, on sait pas où ils vont. Allez. Quand tu n'entends plus bonne nuit bébé, mais plutôt, je me suis vite endormi hier, c'est pour ça. Sache que ça a déjà commencé. Ah. Tu as déjà été remplacé. Ah. On a tout dit quoi. Ah. Ah. Tu veux comprendre quoi là? Ah. Hey. Ou bien, je m'ai dormi. Bon, frère, il faut commencer à pleurer en même temps. Mais oui, le gourmet est déjà validé. Il faut anticiper le gourmet. Tu as avancé, c'est mieux. La vie continue. Ah, la vie continue. Hein. Allez, la famille, vous savez, WAM, c'est une émission aussi qui fait plaisir à tous les annonceurs. On a une pub spéciale, Loïc, pub spéciale. Avant la vraie pub. Pub spéciale. On est de retour sur le plateau de joueurs. Merci infiniment d'être avec nous. Plaisir de vous retrouver sur Live TV, 6 du Bouquet, Canal et 6 de la TNT. Allez, on a encore une exclusivité pour vous. Ça a été lancé ici. Live TV et Live Radio se veulent donc toujours au cœur du sport, au cœur de la fête du foot. Et raison pour laquelle donc elle a réuni l'un des les meilleurs du moment en termes donc de Biama. Le Biama aussi, voilà, c'est un nouveau concept qui a été lancé par des jeunes à Yopougon dans nos quartiers, dans nos rues et autres. Et donc le collectif Biama, on les avait reçus ici pour jouer en exclusivité le son. Ben là, il y a une très bonne nouvelle, le clip est enfin sorti, collectif Biama. Regardez, c'est ici, c'est la life. C'est parti. Il va prendre la couronne. C'est Mali ou c'est Burkina. Il va prendre la couronne. Algérie ou Tunisie. Il va porter la couronne. Nigeria ou Cameroun. Ce qui est sûr, on est des frères. Que le meilleur gagne. Il y a quelques heures seulement, donc, ici c'est la life, le collectif Biama, Rina Barakissa et bien d'autres. En tout cas, on va les applaudir très fort, s'il vous plaît. Voilà. Bravo les gars. Allez, on poursuit avec donc le récap de la CAN et on se lance donc comme d'hab avec le point de la fête du football dans notre pays. Le Cap Vert est la première équipe qui s'est qualifiée pour le second tour après leur victoire 3-0 devant le Mozambique. Ils ont été suivis donc par les Lions de la Teranga qui ont terrassé les Lions indomptables sur le score de 3-1. Hier, la RDC et le Maroc se sont neutralisés 1-1. Les Zambiens et les Tanzaniens ont également fait match nul sur le même score. Et les Bafana d'Afrique du Sud ont trié la Namibie 4-0. La troisième journée débute aujourd'hui avec les matchs Côte d'Ivoire-Guinée équatoriale.
Et aussi donc Guinée-Bissau, c'est donc Guinée équatoriale, et tout juste après on aura Nigeria, Guinée-Bissau prévu à 17h. Puisque lors des troisièmes journées en Cannes, les matchs se jouent à la même heure. Sur le coup de 20h, les pharaons d'Égypte vont affronter le Cap-Vert et le Ghana sera face au Mozambique. Voilà. Force aux éléphants de Côte d'Ivoire. On va les applaudir très fort. Allez, celui qui arrive est un jeune loup du coupé décalé qui ne cesse de faire parler de lui. Il est le concepteur du célèbre Kabato. Voici pour vous, s'il vous plaît, pour son soutien aux éléphants de Côte d'Ivoire, Abel le Superman. Abel le Superman. À quoi va Abel? Comment ça va? Bienvenue, asseyez-toi. Salut les gars. Oui. Abel le Superman qui est là. Allez, on a dit Abel le Superman, mais on a vu Woyi qui est venu avec ses deux jeunes soeurs, frères. Voilà, désolé les gars. On va faire les présentations rapidement, Abel. Abel le Superman. Ouais. Ici c'est Dano. Ici c'est Dano. Dano, ouais. Chanteur. Oui, chanteur. D'accord. Et c'est un duo. C'est un duo, d'accord. Dano et Dana. Voilà. Moi c'est Jiv. Jiv, voilà. D'accord. Nous formons un duo, Jidan, qui est Jidan. Jidan. Ouais, Jidan. D'accord. Pourquoi Jidan? Bon, moi, mon nom, c'est Jean-Yves. D'accord. Non, c'est Jiv. Lui, c'est Dano. Donc, on a mis Jidan. Ah, Jidan, ouais. Voilà, ils ne se sont pas emmerdés, hein. C'est ah, comme... Ah, ouais. C'est ça. D'accord. Alors, à côté, on a Woyi. Point besoin de le présenter. Lui, quand tu lui demandes son nom, il te dit Woyi. Oui. Exemple. Bonjour, c'est quoi votre nom? Woyi. Ah, je vous ai dit. Allez, les amis, justement, vous êtes là avec un nouveau single baptisé Mouillé Maillot. Mouillé Maillot. Je ne sais pas si on a l'extrait ici, Abel le Superman. Mouillé Maillot. Si on a l'extrait, on balance un bout. Ivoirien, y'a pas son nom, y'est dit. Pourquoi t'es jaloux de nouveau, jalousie, oh. Jaloux de nouveau, jalousie. Si, si. Masgradel, Franck Essier. On la cherche. Tout le monde est bloqué. Oui. Bravo, magnifique vidéo. La vidéo a été réalisée par qui? SGV Prod. SGV Prod, voilà. D'accord. Ok. Alors, c'est un soutien aux éléphants. On n'a pas besoin de savoir pourquoi est-ce que vous soutenez les éléphants. C'est tout à fait normal. C'est un élan, dans un élan pardon, patriotique. Mais selon vous, aujourd'hui, c'est quoi ton score, Abel le Superman? Le score, on va gagner 1-0. 1-0, ouais. 1-0. Je tiens à préciser que Abel le Superman est aussi un excellent footballeur, n'est-ce pas? Ouais. Il joue à quel poste? Attaquant de pointe. Attaquant de pointe. Souvent milieu de terrain. Ouais, ouais. Tu fais un peu en mode Seko Fofana, voilà. Sauf que tu as des dreads. D'accord, ça marche. Allez, rapidement les amis, c'est clair qu'après ça, on aura la chance peut-être de vous recevoir. C'est quoi votre genre musical, Jidan? Bon, nous faisons tout genre pour ouais. Les gens, mais... Même les sacolos. Yeah. Personnellement, on fait du afro... Afrobeat Ivoire. Ah, Afrobeat voilà, Ivoire. Super, Afro-beat ça marche. Il n'y a pas voilà. De souci. À côté, Woyi, lui, si on lui demande ce qu'il fait, il va dire Wawa. Posez-lui la question, oui, qu'est-ce que vous faites? Non, c'est Wawa coupé décalé. Ça marche. Allez, Abel le Superman. On va découvrir ça maintenant. 5 à 3, 2, 1. Abel le Superman, Landry Blessing et Jidan. 5 à 3, 2, 1, go! Gladiator Beat. SGV Pro, Damsar, le bambam d'Afrique. Coup de pied. Deux fois. Trois fois. Mouillé maillot. Mouillé maillot. Faut mouillé maillot. Yo, yo, yo. Attends, ma tombe. Ta vena, ma tombe. Allez, passez-moi, 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 Konami, gâti le soir, gâti le 1, gâti le bracata, gâti le soir. Rakata kuta. Yo yo yo, on va mouiller maillot. Faut mouiller maillot. Yo yo yo, Général Sam. À la chaise. Tout le monde est bloqué. Ivoirien,
jalousie. Masgradel Franck ici. On la cherche. Attends, j'aime le poteau, demande à mes mogos. Sur le terrain, on a vite de rambo. Regarde comment on fait passement de jambon. Finis par mettre le ballon dans le filet. Zo, 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 aligueso. Zo, 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 aligueso. Aligueso, maman. La canne c'est chez nous, ça restera chez nous. Aligueso, maman. Je connais Tchaké, on va gagner ça. Aligueso, maman. C'est zo. On fait du bruit, s'il vous plaît, pour Wai. Dans le blessing, avec le Superman. Et puis, les amis, allez, les gars, rapidement. Abel, je sais que vous êtes un peu essoufflé, le soin est magnifique. Mais rapidement, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Abel? Les éléphants, on vous soutient. Ouais. Faites-nous vibrer, faites-nous rêver, faites-nous crier de joie. C'est cela. Allez, le single est disponible sur toutes les plateformes légales. Toutes les plateformes et puis le clip est également disponible sur YouTube. Et puis on fait aussi un gros coucou donc à Poséidon aussi qui, est, qui fait partie aussi des artistes. Le titre donc c'est Mouillé Maillot, Abel le Superman, Poséidon, Jidan, Landry Blessing. Ouais. Donc Jidan, c'est eux, Landry Blessing et puis Abel le Superman. La prochaine sortie c'est quoi, Plakali? La prochaine sortie, ça sera un peu de Biama. D'accord, ok, on attend ça. Force à toi en tout cas. Merci infiniment d'être passé, les gars. On va les applaudir très fort, s'il vous plaît. Merci. Oui. Merci infiniment. Merci. Merci. Oui. Voilà. Oui, lui, il veut prendre le micro pour partir. Oui, en tout cas, sinon, ta tenue est belle, hein, franchement. Magnifique tenue. C'est à cause de lui, la dernière fois, quelqu'un allait chercher Orange pour faire maillot. On dit, il n'y en a plus. En qu'est-ce qui s'est passé? On dit le gars qui fait huiler à midi et puis il fait oui, il est venu prendre sac. Tu n'as pas honte. Faut penser aux autres aussi. J'ai dit, toi là, tu n'as pas dormi hier. Y'a quoi? Tu es fatigué? Si tu es fatigué, nous on est là. Sharaf toi à la balade de Béa. Émission, ça, on va pas s'en sortir. Elle est fou sur le voit. Allez, à l'arrière d'Ingrat de retour! C'était les grands absents des premiers matchs de cette CAN-là, alors qu'ils étaient blessés au début de la Coupe d'Afrique des Nations. Les deux pachydermes seront de retour aujourd'hui face à la Guinée équatoriale. Il s'agit donc de Sébastien Haller et de Simon Adingra. En retour, fortement salué par les supporters des éléphants de Côte d'Ivoire. C'est sûr en tout cas que Haller et Adingra vont apporter une autre énergie au collectif des éléphants. Toute la Côte d'Ivoire est derrière eux pour nous, pour les conduire donc, et pour conduire tout le pays à la victoire. Force à toute l'équipe nationale. Allez la famille, on marque une pause, on se retrouve derrière, il y a d'autres invités. Salut, moi c'est Général Paquito. Avant, vous ne me connaissez pas. Depuis que j'ai commencé à montrer mes paquets, je suis devenu star. Waouh, c'est carré. Avec moi, rejoins Paquitas, la marque des trois traits. Vous aussi, faites comme Paquito. Portez Paquidas, les trois traits de la Paquite. Waouh, c'est carré. Paquito, tu es l'homme. Ouais, c'est carré. Allez, la famille. On soutient toujours les éléphants avec ces artistes-là qui arrivent maintenant. Lui, il a chanté « Maman, on me ghetto », c'est le premier qui va faire son entrée ici. Du bruit, s'il vous plaît, pour Anaconda 512. Oui. Anaconda. Anaconda, Anaconda. Anaconda 512, merci infiniment. On va se rasseoir, s'il vous plaît, merci. Anaconda 512, bonjour, à quoi bah, ça va? Bonjour, Willy. Yeah, hey, Anaconda, tellement il chante même son bonjour, bonjour. C'est comment? Oui, ça va. Yes, Anaconda 512. Ouais. C'est ça. Super. Anaconda 512 qui est dans le coupé décalé, qui a décidé aussi donc avec d'autres amis de célébrer les éléphants de Côte d'Ivoire. Mais avant, on va revoir ce que Anaconda fait. C'est pas maman, mais ghetto. Anaconda avait fait entre-temps sortir une nouvelle chanson, une nouvelle vidéo. Je pense qu'on a un extrait ici. Regardez. Tu peux avoir l'argent que moi, tu peux être riche.
Yeah. Anaconda 512 qui a résolument décidé donc à continuer toujours, mais avec des concepts. Oui. Après, on me guette. Est-ce que les gens te guettent toujours? Ils ont déposé les armes. Ils ont déposé. Sinon, pas soulevé. Non, sinon, pas déposé. Ils vont soulever. Voilà. Allez, Anaconda 512, on va parler donc de l'objet de ta venue ici. Mais pour l'heure, on va recevoir une autre personne. Celle-là qui arrive maintenant, c'est l'une des grandes dames du coupé décalé. Vous la connaissez, elle a chanté Aloko Piment. Et depuis lors, Aloko, le prix a augmenté sur le marché. Je vous demande de faire du bruit, s'il vous plaît, pour Jeannine Pi. À quoi va, Jeannine? Comment ça va? Bisous, t'es plus. Jeannine! Jeannine Klein, t'es avec nous. Merci la famille. Merci Régis. Jeannine Klein, à quoi bah, on va passer le micro rapidement. Attends, je te donne merci. Celui-là aussi. Jeannine, elle est magnifique. Ça va? À quoi bah, Jeannine? À quoi bah, oui. Yeah, la plus belle. Les yeux, les plus beaux du coupé décalé. Oula. Hey. Merci. Alors, Jeannine, c'est clair qu'en ce moment, tu as porté un magnifique maillot des éléphants de Côte d'Ivoire, Anaconda aussi. Mais je sais que ce qui vous réunit ici aujourd'hui, ce sont les éléphants de Côte d'Ivoire. Avant d'y arriver, on va regarder aussi donc, l'une de tes dernières sorties. Extrait. Moi j'ai besoin de Wario, aïe aïe aïe. Non, j'ai pas le temps, mon temps c'est de l'argent, j'ai pas le temps. Ah j'ai pas le temps, je dois rouler en Ferrari, je dois rouler en Bugatti, je dois devenir VIP. Ah ah, mes amis roulent dans les belles voitures, ils sont toujours à Assini, en train de vivre la belle vie. Oh tu es aigri, au lieu de jalousie, c'est de donner, il faut travailler, avec les faux discours. On a tous besoin de Wari, effectivement. Est-ce que depuis lors, le Wari est arrivé? Ça y est, là. On n'est jamais satisfait, en fait. Si. La mer ne refuse pas l'eau. Justement. On est dedans, on cherche encore. On cherche encore, toujours, justement. Et là, cette fois-ci, vous avez décidé de laisser et puis de penser aux éléphants de Côte d'Ivoire. Oui. Voilà, avec Anaconda 512. On va y arriver dans quelques instants, mais pour l'heure, derrière aussi, je pense qu'on a quelqu'un d'autre aussi du collectif. Bilenko. Voilà. Bilenko Medvedev. Je vous demande d'applaudir Bilenko Medvedev. Voilà. Bilenko Medvedev. Akwaba, bienvenue. Il va prendre le micro, Bilenko Medvedev. Bonjour. Bonjour Bilenko, comment ça va? Bonjour, ça c'est va. C'est le seul en tout cas qui a décidé de déroger à la règle. Il dit, bon, vous portez vos maillots, moi il ne vient pas, moi il vient de Russie. Si. Bilenko, bienvenue chez toi. Tu es artiste et chanteur. Oui. Ouais, je sais qu'on te connaît plus dans les sports et autres, tout ça, si je ne m'abuse. Justement, je pense qu'on a un spot aussi de toi qui a cartonné pour on va dire... quelqu'un qui soutient, oui. Voilà, on les appelle les... Vas-y, donne-moi le don, allez dans le mouvement. On les appelle les parrains. Les parrains, c'est cela, les parrains. Ouais. D'autres les appellent les... Les parrains aussi. Les parrains aussi, voilà. Ouais. Si. Allez, justement, on va écouter un si extrait. Ça sort de ta c'est bouche, un audio. Tu vas sentir le mal. C'est un audio, Bilenko Medvedev. Alors, ça, c'est une chanson destinée à... Honnêtement, il y a tellement de sons longtemps. Que celui-là, je ne me souviens pas. Toi-même, tu as oublié, pas. Mais ouais. C'est de toi, en fait. Oui, c'est ça. Oui, donc, en tout cas, j'ai vu quelque part que c'est pour quelqu'un, c'est un dû. Est-ce que, avec ça, tu as eu beaucoup? Il a... Bah... Il a donné un peu. Hein. Forcément. Forcément, par la grâce du Dieu. La dernière fois, quand tu as fait des sports, tu as eu combien? Le plus gros sou, pardon. La plus grosse somme que tu as pu avoir dans les sports, c'était quoi? Dans les sports, ouais. Disons... Studio ou dans un concert, par exemple? Non, studio, on va dire. Ben, studio, ça dépend. C'est... D'accord, mais une grande somme, forte somme. Bon, 1 million. 1 million, ouais. Super. Juste pour dire... Attendez, juste pour dire... Les gens des sous, un bâton. Ouais, il fait plus wham. Petit, on entre en studio tout à l'heure. Allez, Anaconda 512 et toi? Bon, moi, le mouvement, j'ai un pied là-dedans et puis un pied dehors. Oui, oui. Si. Parce que je suis mais plus quand focalisé. Tu es dedans... Quand je suis dedans, ça dépend. C'est un an à 15 000. Tu hein? viens à 1 an à 15 000. Donc souvent, tu as au moins 100 noms comme ça. C'est pour ça la chanson si même tu me va donnes peut-être pendant 20 une heure noms, ça fait 300 000. 300 000, ouais. Donc ouais. Ça va vite. Ça va vite, hein. Et lui, moi, j'ai fait un spot. Moi, j'ai fait un spot même. Vous allez envoyer l'argent par Move Money. 10 000 francs le nom. Hé, hey, Péry, on fait Pierre. Ah, oui. Bon, les amis,
trouvez un numéro là-bas, Move. On va rapidement donner le numéro et puis les gens vont envoyer dépôt dessus, dépôt dessus, dépôt. Oh, Faclon, quand c'est ça là, Akissi, elle devient, elle n'est plus bobo. Allez. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre derrière encore là-bas de caché? Non. Je pense que le trio est là aujourd'hui. On fait un gros coucou aussi à Chouchou Salvador et puis aussi donc à notre Anderson très cher Anderson aussi qui est à Paris en ce moment. Allez, on parle maintenant des éléphants de Côte d'Ivoire. Je pense qu'il y a un clip, n'est-ce pas? Ouais. On a un extrait du clip ici, on regarde. C'est signé donc... Collectif Ivoire. Collectif Ivoire, c'est cela. Collectif Ivoire. 5, 4, 3, 2, 1. Collectif Ivoire. Hé hey! Souriez quand même. C'est pour dormir, on va vous loger. Mais affaire de coupe là, on va passer le micro à la seule dame. C'est un semblant donc de Zouglou, ambiance, ouais. Facilo, tout ça. Qui a eu l'idée du projet? Moi et Anderson et Chouchou Bébé Salvador. Si, donc c'est dit que s'il y a une prestation, quand le cachet sort, c'est vous d'abord et puis les autres. Les gars, vous savez, Anderson va plus prendre pas celui qui a produit le son. Si, Anderson, en tout cas, à qui on fait un gros coucou. Donc, déjà, je reviens à toi, Medvedev, pourquoi? Parce que ça fait russe, ça fait aussi donc politicien russe. Bah ouais, mais à la base, je voulais juste avoir un surnom qui reste tout de suite dans la tête. Si, voilà, si. Je voulais faire rare, je voulais créer le déclic en fait. Voilà, ouais. C'était seulement ça le but. Et justement, c'est ce qui s'est passé en tout cas. Ouais. Allez, on va encore applaudir, s'il vous plaît, le collectif. Les téléphones. Rapidement, les amis, à tour de rôle, chacun va donner son pronostic avant, bien sûr, de voir ici sur scène. Anaconda 512, c'est quoi ton pronostic? Il pense que c'est 3-0. 3-0, ouais, lui, il est nerveux même. Zanine King. 1-0. 1-0, voilà, elle est sobre. Medvedev. 3-0. 3-0, d'accord, ouais. Ça marche. Donc, on va aller sur quoi? Allez, justement, on va vous voir ici maintenant sur scène. 5 à 3, 2, 1, Medvedev, Anaconda 512, et puis bien sûr la belle et talentueuse Janine Clean. C'est parti, son! On a soudé les gars! Ah!
Janine Guiné, puis bien sûr donc Bilencom, Medvedev, j'y arrive maintenant, la famille. C'est ça. On fait du bruit encore pour eux, s'il vous plaît. Allez, la famille. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Est-ce que l'œuvre est déjà disponible? Déjà sur YouTube, il faut taper quoi? Oui. Collectif Ivoire, c'est cela, ouais. Sur YouTube. Ouais. Et vous allez voir la vidéo, en la tout vidéo, cas, ouais. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, une magnifique vidéo. Maintenant, surtout aussi, est-ce que c'est déjà disponible sur toutes les plateformes? Ouais. D'accord. Donc, allez sur toutes les plateformes, c'est disponible. Est-ce qu'il y a un mot, un message à rappeler, les amis? C'est que les éléphants, là, ouais. Ils n'ont qu'à s'arranger. En tout cas. Si on ne gagne pas, là, si, si. Ils n'ont qu'à aller à même. Je sais. Ouais, vas-y, Medvedev. Ah non, ils vont forcément gagner par la grâce de Dieu. Ouais. Ils savent qu'on compte sur eux. Ouais. Et puis, Medvedev, petit message. J'espère bien sûr te recevoir ici avec une œuvre. Un son, parce qu'il a une voix. C'est forcément. Bon, un spot là. Une belle voix. Une belle voix, mais il faut aller aussi en espérance. Je suis en train d'arriver. Et puis, attends le prochain single. Après la Cannes, feat avec. La team de Poi. Waouh, avec la team de Poi, j'imagine. Le devant derrière. Le devant derrière, j'imagine, ça fait un devant. Biama, derrière, en Biama. Ah, c'est gâté. Il y aura Amina. Non, elle est trop dans les clips. Elle est trop dans les clips. Ça se repose un peu. Ça marche, il n'y a pas de souci. Allez, on va marquer une pause. Merci infiniment d'être passé, les gars. Tout à l'heure. Bonjour, la famille. On est de retour sur le plateau du web. On va se tenir de vous, s'il vous plaît. Ma chérie, viens. Comment tu t'appelles, la mère? Maggie de Versailles. Maggie de Versailles. Allez. Maggie de Versailles, tu danses tellement bien, tu Merci. Étais tellement prompte et réactif que j'ai décidé, au nom donc de la maison et au nom du premier supporter et sponsor officiel des éléphants de Côte d'Ivoire, de t'offrir ce magnifique mixeur-là, 1,5 litres, 400 watts, avec verrou. C'est signé Nasco. Qu'est-ce qu'on dit à Nasco? Merci Nasco. Et Nasco. Merci Nasco. Oh. Ah, d'accord. Je pense que Nasco, pour nous les femmes, ouais. Est la bienvenue. Faut bailler même. Que vas-y. Ce soit climatiseur, uh-huh. frigo, uh-huh. mixeur, tout ce dont une femme a besoin dans son foyer, c'est Nasco. Ils ont ça. Voilà. Ouais. Donc Nasco. Merci à Willy de me donner l'opportunité aujourd'hui de parler à WAM. Ouais. C'était mon plus grand rêve. Oh. Que... Ah, tu es. Merci Willy. Merci Maggie de Versailles. Merci, on va s'asseoir. Merci. Voilà. Donc, messieurs, je vous donne le secret. Vous pouvez sortir de la maison, dire à madame que vous partez au travail. Et puis vous faites au moins une semaine dehors. Quand elle rentre net, vous rentrez net et puis avec. T'étais où? Il faut lui offrir Nasco. C'est le secret. Allez, la famille, celui qu'on va recevoir, je vais demander à tout le monde de se tenir debout, s'il vous plaît, pour le recevoir. C'est l'un des plus grands noms de la musique ivoirienne qui arrive maintenant. Il s'est associé à ses jeunes frères pour créer un collectif inédit avant, bien sûr, de recevoir aussi les autres frères. Je vais vous demander de recevoir, comme il se doit, lui seul d'abord, Monsieur François Kenzi. François Kenzi, à quoi va ton frère? Bienvenue, comment ça va? François Kenzi qui est avec nous. Wouh! François Kenzi. Yep. François Kenzi. Wouh. On fait du bruit pour monsieur François Kenzi, s'il vous plaît. Yep. Wouh. François Kenzi. François Kenzi qui est avec nous. Yep. Quel plaisir de le recevoir, grand frère. Merci infiniment d'être avec nous. Merci d'être là. Wouh. Yep. Et bien,
Merci infiniment. On va s'asseoir, grand frère. Wow. Et les esprits, encore plus d'ovation pour monsieur François Kensi. Quelle voix! Le style, la voix, le charisme, tout y est en tout cas. Merci. L'humilité en une seule et unique personne baptisée, merci. François Kensi. Encore plus d'ovation pour lui, s'il vous plaît. François Kensi, merci infiniment d'être là, grand frère. Merci. Merci, grand frère. Merci. Merci, grand. Merci. Justement, on s'est souvenu ici de ce qu'a été donc François Kensi, ce qu'était François Kensi lorsqu'il chantait la musique qui est indétrônable, qui ne change pas, qui ne pourrit pas et qui est toujours consommable. Merci infiniment, jeune homme. Quand je dis toujours que lui, là, c'est pas un enfant, c'est un vieux, ou parce qu'il m'amuse. Il se rappelle de ça. Je chante toujours. Il chante toujours, effectivement. Et c'est fait pour nous plaire, justement, il chante toujours. Et il a même associé aussi donc sa jeune sœur, notamment Yvie Dero, sur le remake de Tiwojo. Et de... je pense qu'on a un extrait ici, regardez. Ah. Yeah. Magnifique chanson, je vous demande donc d'aller sur YouTube et de regarder ce remake-là. Donc François Kensi en feat avec Yvie Dero, justement. Tiwojo 2. Voilà, Tiwojo 2. C'est un duo improbable en griffe, mais qui est bon, succulent à écouter. Pourquoi le choix de Yvie Dero qui excelle dans l'animation, mais surtout aussi dans l'humour? Simplement parce que lorsque j'étais en exil en 2022, je l'ai vu sur la chaîne sur laquelle elle travaille. Si, si. Chez nos confrères de NCI. Chez NCI. Ouais. Et interpréter cette chanson, si, si. Alors qu'on n'avait aucun rapport, on n'avait aucun lien, je veux dire. Et j'ai été bluffé, j'ai aimé la voix. Ouais. Et pour mon retour au pays, j'avais envie d'une chanteuse pour m'accompagner sur cette chanson. C'est cela. Je me suis dit, mais pourquoi chercher loin si y a quelqu'un qui a pris et qui a chanté, qui l'a très très bien chanté. Si, si. Donc je suis parti, le choix s'est opéré comme ça. Ouais. En tout cas, Yvie, c'est une source intarissable de talent. Respect, big up, sista. Alors, et depuis lors, en tout cas, je sais que François est toujours en train d'écrire, toujours en train de produire. Il y a encore un autre projet qui est en route. Ouais. Encore un feat. Super. Voilà, un single qui va sortir. Ouais. Ouais. Mais pour l'instant, je suis concentré avec sur mes amis. C'est cela. Sur les éléphants. Le collectif Cannes 23. Cannes 23. Très bien. Justement, on va accueillir donc une sublime voix aussi de la musique ivoirienne. Elle a fait et elle continue toujours donc de faire les beaux jours donc, et elle permet à nos oreilles de ne pas souffrir d'oreillons. Voilà, oreillon, c'est quand tu as mal à l'oreille, on te dit tu as oreillon. Mais c'est passé, tu n'écoutes pas les bonnes choses. Si tu écoutes les bonnes choses, justement, tu n'as pas oreillon. Tout à fait, oui, collectif Cannes 23, si, si. Que de belles voix. Que de belles voix, effectivement. Ouais, et celle-là qu'on va recevoir aussi est une excellente voix. Je vous demande de faire du bruit aussi, s'il vous plaît, pour Julie N. Julie N. À quoi va, merci de vous d'être là. Merci, Julie N. Julie N qui est avec nous. Bienvenue, Julie N. Merci d'être là. Je vous en prie. Merci, Régie. Julie N, pour se présenter, je sais que Julie N, c'est pas Julienne. J, genre, U, L-O, I, E, non, E, voilà. Si, si. Mais non, c'est... maintenant, c'est Julie N. J, U, L, I, apostrophe, non. Non, voilà. Alors, justement, pourquoi écrire son nom comme ça? Pour le côté, côté un peu fun. Hein. D'accord. Juste ça, sinon c'est Julienne. Si, si. Julie N, c'est plus jeune, c'est plus fun. Voilà. Julienne, en tout cas, on l'a connue, je crois, si je ne m'abuse, ainsi j'ai bonne mémoire, il y a eu Star Karaoke. Oui. Si, si, c'était la toute première édition, la 2003. La toute première édition, effectivement. Pour ceux qui se rappellent, entre-temps, il y a eu aussi donc, la joie de faire des enfants. Si, donc, si, les maternités. Les... Mais c'est ça n'a pas effleuré la voix. C'est un peu comme le parce grand frère. Parce qu'après ce que tu dis, karaoké, elle a sorti plusieurs singles, si, si. De très beaux titres, d'ailleurs. Et justement, grand frère, les McDo, les burgers et autres, on n'a pas aussi donc eu raison de ta voix. Tu restes toujours ce bel homme. Il y a sauce graine, il y a jumelé tout ça. Sauce graine, tout ça. Justement. Alors, on va regarder aussi donc ce que tu fais, ce que tu nous as offert il n'y a pas très longtemps, oui. Puisque ça fait partie aussi de ton actualité. C'est Julie ça. N, en image, en son, en vidéo. Regardez. Super, super. Tu veux percer le mystère. Est-ce que c'est forcé?
Allez découvrir l'intégralité de cette vidéo-là sur YouTube pour faire pleuvoir, faites pleuvoir des millions, en tout cas pour l'artiste. Justement, on parle de quoi dans cette chanson-là? On parle des CP. Si, si, les CP. Les CP, les copines qui ne sont pas vraiment copines. En si, fait. Si. Qui torpillent l'ami, tu te confies à elle et puis elle passe dans ton doigt, elle fait des études. Tu as été victime de ça? Non, pas forcément. Pas je forcément. Me suis inspirée d'une histoire sur Facebook. D'une amie. On s'inspire toujours d'une histoire. Ce n'est pas seulement les hommes qui font taper dos. Hein. Ah voilà, les femmes aussi font ça. Justement, grand frère, en amitié, tu es plus ami avec des hommes ou ami avec des femmes? Les deux. Les deux. Oui, mais est-ce que tu crois. Beaucoup, oui, oui, beaucoup d'amis femmes. Femmes. Est-ce que tu. Bon, d'accord. Moi, parce qu'après moi, il n'y a que des filles en fait. Que des filles. Dans voilà. ma famille, et puis après, il y a deux garçons. Deux garçons. Il y a beaucoup de filles dans ma famille. Si, si, si. Beaucoup si. De femmes. Ouais. Et ça fait mal quand, en tout cas, on vient chercher pour aller manger. Non, ça me fait mal. Ça me fait mal. On a qu'à partir. Allez, toujours dans ce collectif-là. Celui qui arrive donc, si je ne m'abuse, il est là, bien sûr, le fils d'une grande voix de la musique. Moi, je sais que toi et moi, on a tout gâté. Les allées, ça vous. Et lui, c'est le fils de l'autre, de ce grand monsieur-là aussi. Je vais vous demander de faire du bruit, s'il vous plaît, pour Clé Ryan. Clé Ryan, à quoi là? Merci d'être là. Merci infiniment, Clé. Ça va? Super. Clé Ryan qui est là. Ryan, tiens, je te donne ça. Yep. Merci, Régie. Clé Ryan, alors dis-moi, décidément, c'est papa ou c'est toi qui as la clé? Clé. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est ça. Il l'a confié, en tout cas. On fait un gros big up au vieux père. Clé Ryan aussi, qu'on a connu donc, à travers un groupe. Il faisait de la chanson, bien sûr, parce que, on va dire, c'est le virus de la musique qui a touché toute la famille. Mais tu es passé par le concours de Emma Dobré, Emma si Dobré, je ne m'abuse. Ouais. Rappelle-moi la voix des... La voix... Ah bon, c'est il y a longtemps. Bon, en tout cas, ouais, c'est Emma Dobré à qui on fait un gros coucou. Voilà, donc à travers donc, son concours télé-réalité. Et justement, de là, tu es sorti, si je ne m'abuse, à la première édition, premier. Ouais. Vainqueur. J'ai remporté le concours. Remporté le concours, si, si. Et tu avais la possibilité de faire un single aussi avec une grande voix. Et notamment, je pense que justement, on a l'extrait de toi et Kérosène. Regardez. Le couple, c'est nous deux. Yeah, 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 yeah. Voilà, c'est nous deux. Ce qu'ils veulent, n'écoute pas ces racontards. Ils racontent des blablabla. Ils peuvent nous critiquer, ils peuvent nous jalouser. Ils n'ont qu'à tout tenter, mais je ne vais pas te laisser. Yep, Clé Ryan, là on parle d'une histoire d'amour. Est-ce que tu es un homme à femme ou c'est les femmes juste qui t'aiment? Je ne suis pas un homme à femme. D'accord. Ce sont les femmes qui m'aiment. Si, si, ce sont les femmes qui t'aiment. Justement. Alors, si vous êtes abonné à ses comptes, à son compte, on va dire TikTok notamment, vous allez y trouver donc beaucoup de vidéos avec sa sœur. Si, si. C'est Ryan Clé, Ryan officiel. Effectivement. Ryan avec un seul N, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. Donc, Clé, ce n'est pas Clé comme on écrit, j'ai déposé la clé. C'est K-L-E-Y. Voilà. Normalement. Tranquille. Alors, là tu parles, on parle de différence dans les histoires. D'amour et autres, parce qu'elle est albinos, ton père qui ne veut pas. Ouais. Tu as été confronté à ça à un moment donné de ta vie quand tu as dit à ton papa que tu voulais chanter, par exemple? Non, je me suis inspiré de quelqu'un aussi. Ouais. C'est qui? C'est un ami. C'est un ami qui a vécu ça. Ah, bon, on a tous père. Des amis qui vivent des moments et puis on vient expliquer après. Ouais. Mais si tout de suite on te dit, il faut dire un mot à ton ex, il sait que ah, il a écrit sa chanson. Non, là, c'est gâté. Grand frère, qu'est-ce qui, aujourd'hui, quand tu regardes avec l'évolution donc, de la musique, qu'est-ce qui a été ajouté, qu'est-ce qui a été retranché, en toute honnêteté? Ben, il y a d'abord de très, très belles choses en Côte d'Ivoire. Il y a de très, 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 très belles choses, des talents en tout cas, de plus en plus. Et moi, j'écoute aujourd'hui beaucoup de mélodies. Il y a beaucoup d'artistes qui ont de très belles mélodies. Ouais. Et ça évolue positivement, en fait. Maintenant, c'est le public qui choisit. Ouais. On aime ou on n'aime pas un style, mais c'est le public, qui a le droit de choisir. Mais les artistes avancent en tout cas. Oui, ils avancent en tout cas. Et justement, je veux dire, sur votre impulsion, parce que vous avez déposé vraiment les racines. Et c'est ce qui leur sert aujourd'hui. Et on continue d'en déposer. D'en déposer, forcément. Allez, celui qui va venir, mesdames et messieurs, c'est un véritable couteau suisse. Il est tantôt chanteur, il est tantôt réalisateur, il est tantôt aussi présentateur radio et télé aussi. Il est tantôt aussi, je ne sais pas, peut-être il me le dira après, père de famille, qui sait, mais je le sais aussi. Producteur, je vais vous demander de faire du bruit s'il vous plaît pour le frère de l'autre, Mister Killer. Killer, à quoi va? Comment ça va, Killer? Killer, on va s'asseoir. Bon, Killer, tu peux te mettre ici aussi, hein, y a pas de souci, hein, c'est la famille. Voilà. Ben ici là, c'est trop lourd. Killer, assieds-toi. Tu as oublié quelque chose? Oui. Dans sa présentation, dans sa présentation, tu as oublié quelque chose. Dis-moi, grand frère. Aussi un peu fouteur de merde, quoi.
flag. Je l'ai vu envoyer, bah maintenant ouais. Pas qu'elle est bonne. Et surtout, qui est revenu avec beaucoup de kilos. Voilà, ça se voit. Ouais, comme toi d'ailleurs. Non. Moi, c'est effet d'optique, c'est la télé. Où est-ce que tu te caches, Killer? Ben, je suis là. Après, chérie, tu me saoules. Ouais, après, chérie, tu me saoules. Ouais. Après, 50-50. Si, après, occupé avec Will Fenigma. Ouais. Après aussi, Bobraba. On a sorti C'est pas même chose. Ouais. Voilà. Et puis là, on est en mode. Exactement. On est en mode. Éléphant. Soutien éléphant. Parce que, comme on dit, c'est quand ton frère est à genoux qu'il faut l'aider à se lever. Donc, même si. Ce soir là, tout le monde doit être debout pour soutenir les éléphants, pour amener la victoire et on passe au second tour. Très bien, justement, il a dit, c'est pas même chose. Ouais, Côte d'Ivoire et puis les autres, c'est pas même chose. Justement, il a transcrit aussi en chanson avec son frère Rick One. Regardez extrait. Quand tu prêtes, et puis quand tu l'as eu, c'est pas même chose. Quand tu l'as eu, et puis maintenant c'est tabou. Quand c'est tabou, et puis tu l'enceintes, c'est pas même chose. Quand tu l'enceintes, et puis c'est ton tombé. Si c'est du boulot, c'est jamais même chose. C'est quoi? Y'a quoi? Y'a quoi? C'est quoi? Quoi? Y'a quoi? Y'a quoi? C'est quoi? C'est quoi? Y'a quoi? Y'a quoi? Président MBC, c'est pas même chose. C'est quoi? C'est quoi? Y'a quoi? Y'a quoi? C'est quoi? C'est quoi? Y'a quoi? Y'a quoi? C'est quoi? C'est quoi? Y'a quoi? À vous qui l'a? C'est moron, c'est pas même. Ah ah! Y'a une partie dedans quand j'ai dit. T'as des ouvriers. Tant d'ouvriers. Et puis pour Bédier. C'est pas même chose. Pour Bédier. Et puis pour Gay, c'est pas même chose. Pour Gay, et puis pour Ado, c'est pas même chose. Pour Ado, et puis pour Ado, c'est pas même chose. Pour Ado, et puis pour Ado, il va tuer. Il va tuer. Alors, pas de encore, c'est pour lui. Le coup, bien sûr, en humour, justement, on va faire un gros coucou aussi donc à Mako le King qui malheureusement n'a pas pu être là, mais qui fait partie aussi donc de ce collectif-là, excellent musicien, excellent artiste et chanteur. Mais surtout, j'aimerais spécialement, grand frère, que tu nous dévoiles le nom de celui-là aussi donc avec lequel vous avez bossé cette tête pensante-là de la musique africaine, je dirais. Mais c'est tout simplement El Totorino, David Tairo. Le samouraï. El Totorino, le samouraï. Je l'ai aperçu quelque part. Il est là. Il est quelque part en esprit. Oui, d'accord. Totorino, le samouraï. Appelle-le, il va venir. Attends, un instant. Willy, mets la musique d'Aibo là. L'Aibo là. Totorino, Il est là. Samouraï. Attendez. Ah, crée musique. Normalement, c'est musique, c'est un truc que tu dois mettre pour les Équatoriens qui viennent là-bas. Les Naija, ils nous ont fait ça. Mesdames et messieurs, celui qui arrive est maintenant Totorino. Eh, samouraï. Ah, le génie. Ah, le père. Ah, il est là. On fait le bruit pour Totorino. Eh, samouraï. Tu me permets, s'il te plaît. À toi, ma grand-père, comment ça va? Merci infiniment d'être là. Totorino, ouais, tu nous avais envoyé quelque part. Eh, Seigneur, ce sont là. Aïe, aïe. Ça va. Ça là, je me rappelle à l'époque, j'étais à Radio Diab, je fais un gros coucou à Michael Okuopoku, qui était dans le clip. Hein, mon vieux, ça là, il y avait 16h, 19h, 18h, Malchi, quand tu étais à Abidjan, il y a le show. Qui n'a pas connu ça? Radio était pour son papa. C'est gars, voilà, je yeah. Allez, tonton, comment tu vas? Je vais très bien. Super. On parle un peu de ce collectif, la collectif Cannes 2000. Oui. C'est une idée qui est venue rapidement pendant les premières heures de cette canne, justement. Ouais. Et puis, je me suis dit, les gens ont fait beaucoup de chansons pour la canne et on ne voulait pas faire une nouvelle chanson. Ouais. Si le Daichi était là, l'ambiance n'allait pas être comme ça. C'est clair. Parce que c'est franchement. On a perdu le Daichi. Donc, le samouraï a eu une pensée pour le Daichi. Ici. Et on s'est dit, c'est une chanson que les gens connaissent et aiment. Mm. Et donc, on a juste changé les paroles du refrain. Mm. Au lieu de enfant béni, nous avons dit le pays béni. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays béni. Effectivement. Voilà. Et donc, j'ai rapidement fait appel à ce collectif-là d'artistes talentueux. Et voilà, on a réalisé cette chanson-là.
qui commence à mousser, qui commence à faire son petit bonhomme de chemin. Ouais. Et nous sommes là aujourd'hui justement pour la présenter au peuple ivoirien et à tous les ressortissants des autres pays qui sont venus pour cette CAN. Et qui nous suivent aussi depuis là-bas. On dit merci à Amélie, merci à Live TV de nous recevoir. Merci infiniment. On va encore applaudir s'il vous plaît pour monsieur David Taïro. Merci infiniment. Et justement, on va regarder un extrait du clip. Et puis quand on va venir, on aura officiellement donc la présentation de la chanson du collectif CAN 2023. Regardez, extrait. Faut pas nous tester, sinon tu vas rester. Le pays de Didier Drogba reçoit l'Afrique tout entière. Côte d'Ivoire pour s'en manger. T'es jaloux, c'est ton affaire. Ici en sous-blanc, ça reste toujours bon. Dit yo, so kaïwe. Hey yo, hey. Côte d'Ivoire, un pays béni de Dieu. Côte d'Ivoire, béni de Dieu. Hey yo, hey. Côte d'Ivoire, un pays béni de Dieu. À quoi bon, Africa? Et le grand frère François Kelsey qu'on va voir maintenant ici en exclusivité pour vous, très chers amis. 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Jusqu'au matin, c'est gâté, gâté, na nigi na bozoro baïa, bozoro bo, oh. Apana se abibo, apana oku ebibo, apana se abibo, cohesion oku ebibo, apana ni ebibo, apana se, wodu mani ase bibo. Mai 203. Côte d'Ivoire, un pays béni de Dieu. Hey yo, hey. Côte d'Ivoire, un pays béni de Dieu. Hey yo, hey. Côte d'Ivoire, un pays béni de Dieu. À quoi va Africa? Welcome to Côte d'Ivoire. À quoi
Baba to Côte d'Ivoire, welcome to Côte d'Ivoire. Et c'est l'hymne en tout cas qu'il faut jouer pour la victoire finale. Grand frère, merci infiniment. Est-ce qu'il y a un message en tant qu'aîné du collectif? Ben oui, le collectif a fait le même songe. Si, si. On gagne ce soir. On gagne ce soir. Combien? 3-1. 3-1. Il était gentil, il a donné 1 aux autres. 3-1 en tout cas. 2-0 à toi. Être gentil. Et n'oublie pas notre manager Lynn qui est là. On fait un gros bisou à Lynn Begré. Lynn Begré, on te fait plein de bisous. Voilà. Bonne chance. Allez, gros bisous, Lynn. Bonne chance à nous. Bonne chance, Elvis. Merci infiniment. Je vous bénisse. Merci pour le. Voilà. Allez, la famille, on ouvre rapidement mon agenda jingle. Cook Africa, Cook Africa est votre restaurant de mets typiquement ivoirien qui est ouvert tous les jours à partir de 11h. N'oubliez surtout pas, c'est la Coupe d'Afrique à l'ivoirienne. Venez découvrir la cuisine africaine à travers donc des plats exceptionnels de chez nous. Info line 07 89 93 58 21. 07 89 93 58 21. Adresse mail, c'est cookafrica.resto@gmail.com. Allez, on marque une pause, à tout à l'heure. Yep, la famille, merci infiniment d'être avec nous. On fait du bruit. Merci du fond du cœur. Merci. Merci. Merci déjà encore. Merci déjà donc aux supporters gospel avec Jésus. On gagne toujours. Merci infiniment les amis d'être là. On va vous applaudir très fort. Merci. Je veux aussi saluer donc, je l'ai aperçu dans le public, je veux saluer aussi donc Pat Sexy, la merveille, artiste confirmé. Merci aussi d'être présent. Merci de soutenir les éléphants de Côte d'Ivoire du groupe pour lui. Et ces deux grandes dames de la musique ivoirienne qui vont faire leur entrée ici sont des mères, véritablement dans la vraie vie, mais physiquement, mais surtout aussi des mères spirituelles pour plus d'un ici. L'une est la mère de l'un des plus gros entrepreneurs donc, de la musique ivoirienne, j'ai nommé Kejevara, et l'autre est la mère d'une légende du coupé décalé, j'ai nommé Arafat. Je vous demande de faire du bruit, s'il vous plaît, pour Maman Tina et Maman Antoinette Alani. À quoi va, maman? À quoi va, maman? À quoi va, maman? À quoi va, maman? Asseyez-vous, maman. Asseyez-vous, maman. Bienvenue, maman. Bienvenue, maman. Et les instants, faites du bruit, s'il vous plaît, pour nos deux mamans. Bien. Maman, ça fait plaisir de vous recevoir ici. Elles ont dit, mon fils, nous, on n'a pas besoin d'invitation pour venir. On vient. On vient en brie. Et tu n'as pas qu'à de dire non, c'est les mères, c'est nos mamans. Elles ont donné à la Côte d'Ivoire et mieux à l'Afrique et au monde de grosses stars. Je vous demande encore de les applaudir pour ça. Comment ça va, maman Alani? Ça va bien. Ça va, franchement, merci, on adore votre tenue. Franchement, on sent véritablement que les éléphants de Côte d'Ivoire, ça va aller. Parce que si les mamans sont montées au créneau aujourd'hui, ils n'ont pas intérêt à s'amuser. Alors, la chanson qu'on va écouter tout de suite là a été arrangée par qui? La chanson a été arrangée par notre fils Kejevara, en symbiose avec Herman Djedji. Herman Djedji. Parce qu'aujourd'hui, on travaille en équipe. Ouais. La preuve, franchement, nous sommes calés. Maman Tina n'est pas trop football, mais là, c'est une histoire de patriotisme. S'ils ne gagnent pas, ils seront pilés. Ils seront pilés, justement. Hey. Maman, c'est vrai, ils seront pilés aujourd'hui. Ben, j'espère, je sais qu'ils vont gagner. Ils vont gagner, forcément. Oui, ils vont gagner parce qu'on bénit nos enfants. C'est ça. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire compte sur eux. Ouais. Que Dieu les aide à gagner. Amen. Ouais. Amen. Et maman, on ne va pas trop parler, mais déjà, je sais que pour ceux qui veulent aller regarder le match, donc, du côté... Ils viennent au Desaltero, c'est qui ça. Est situé en face du CHU d'Angrais, côté urgence. Ils appellent le 07 79 98 60 79. 07 Je connais à faire. Voilà. 07 79 98 60 79. 07 79 98 60 79. Vous appelez, et puis le CHU est là-bas. Yeah. Allez, on va recevoir maintenant Maman Tina et Maman Alani pour nous donner en exclusivité mondiale le nouveau single. Soutien aux éléphants. Si vous ne faites pas, ils vont vous piler. Mais vous-même, Guinée Équato, aujourd'hui, ils vont vous piler. C'est parti. Exclusivité, les amis, on se lève tous. To be the one who's gonna put the ball in the game.
maman de Che Guevara. Ça c'est la maman de Arafat. Ça c'est la maman de Che Guevara. Ça c'est la maman de Arafat. Éléphant tagué, éléphant joué. Si ça vient rapidement, la soeur vient rapidement, on va faire du bruit aussi pour la soeur, rapidement, elle développe donc des, une marque de vêtements, on va rappeler le nom de la marque rapidement, c'est Ici c'est Babi, d'accord, disponible partout sur toute l'étendue. Non, c'est seulement sur un seul lien, d'accord. Qui est www.ici ouais. c'est Babi.com. .com. Merci infiniment d'être passé et puis rendez-vous sur Ici c'est Babi. Les mamans, bisous. Merci. Bisous maman, sortez couverts en bas et vive les éléphants. Bye. Les éléphants. Merci maman.